Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Ping Ping Simulator 2 et on va continuer notre petite session en amélioration de notre station-service. Donc là, dans cet épisode, on va faire quoi? On va améliorer les toilettes directement et on va aussi acheter une borne de recharge électrique. Je voudrais vraiment tester pour voir comment ça va marcher par rapport à l'électrique et est-ce que ça recharge directement, est-ce que ça va mettre un certain temps. Donc ici on a notre pompiste, donc là normal comme j'ai fait ma petite intro. La station est déjà en route. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller améliorer les toilettes parce que c'est ce qui coûtera le plus cher. Donc, on va prendre le marteau, on appuie sur E. Hop, pardon. Voilà, les toilettes sont améliorées. Donc, maintenant, les toilettes, on peut rentrer sur le côté, je pense. C'est ça, il y a une porte ici. Voilà. Et donc, on a le toilette un peu dans ce style-là. Donc, bon, il est sale et tout. Alors, je sais pas, mais j'ai vu qu'il disait qu'il fallait qu'ils nettoient leurs mains. Je veux juste regarder si est-ce qu'on a un système de lavabo. Alors, on a des caisses enregistreuses. Non. 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 J'ai pas de lavabo. Donc, je pense que je vais devoir encore l'améliorer au moins une fois. Et donc, on avait dit qu'on allait acheter une borne de recharge et je voulais racheter une poubelle. Donc là, j'en ai pour 1115. Allez, on commande et on paye. On va tester la borne de recharge. Alors. Niveau des toilettes, bon, c'est bon. On aura quelque chose d'un peu plus important. On y va. Vérification. Donc, toi, t'es pas branché. Donc, il faut que je la branche. Hop. Alors, pour mon avis, toi, t'es pas branché aussi. Et là, ben, là, c'est branché. Là, c'est branché. Là, c'est branché. Là, non. Ah non, t'es déjà à 100%. Je sais même pas que ça t'attend. Ok, donc là, c'est bon. On va attendre que notre station elle arrive. Alors, on va commander aussi après des petites boissons. Parce que on n'a plus beaucoup à boire. On va peut-être plus les commander en véritable. Donc là, on a bien garni notre armoire là. On va faire un peu la même chose avec les boissons. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, je perds 50 balles. Par contre, ça, c'est un peu chiant. Puisque ma livraison est de 50 euros. Donc là, on va prendre boissons. Les canettes. Ça. De l'eau, de la bière. Et ça sera tout. Voilà. Alors, là on est bon. Là on est bon. Alors. Ils arrivent ou pas? Ils arrivent avec dans sa main. Alors j'aimerais bien pouvoir mettre une poubelle quelque part ici parce qu'ils n'arrêtent pas de jeter. Donc je vais plus privilégier là, la station. Hop. Je branche dessus. Ah bah non, c'est bon, elle est déjà 100%. 100%. Il a bien bossé quand même 100%, 100%. Donc c'est bien. Allez, on y va, on va aller voir. Qu'est-ce qui m'a ramené en premier? La borne de recharge électrique. Alors, elles sont là-bas. Ok, d'accord. Donc là, on pourrait le mettre sur la première ici. Donc, ah, c'est ces emplacements-là, c'est pour la borne de recharge électrique. Ok, donc là, on va appuyer, pardon, dessus. Hop, voilà. Et donc, on va pouvoir commencer à charger les voitures électriques. Là, on a vraiment la borne de recharge. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça pour faire une photo. Voilà. Petite miniature comme ça va être cool. Mais on verra bien. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que, ben, à mon avis, c'est moi qui va devoir les brancher. Est-ce que c'est d'autres types de voitures qui vont venir ou pas? Comment ça marche? Est-ce que ben, c'est l'électrique? Donc, est-ce que je vais devoir payer l'électricité? Est-ce qu'ils vont aller payer directement? Ça, je sais pas. On verra bien. J'ai ma poubelle qui devra arriver aussi là-bas. Alors, je vais juste regarder, non? On va aller voir pour la poubelle. Donc toi, c'est bon, je fais du boulot. La femme, elle est toujours accroupie en train de nettoyer à terre. Pourtant, c'est propre. Alors, la poubelle. Ah, voilà, on peut mettre des poubelles ici. Donc, je pense que je vais mettre une poubelle là. On va pouvoir acheter plusieurs poubelles. Ça, c'est bien ça. Ah ben voilà, on y va. Ok, donc, ou par contre, le créneau, magnifique le créneau. Magnifique. J'adore. Alors, comment ça marche? Est-ce que c'est elle qui se branche tout seule? C'est moi qui dois le faire? Comment ça marche? Police. Ah oui, il y a le... Ok, d'accord. Bon, c'est comme notre station. Je prends. Et je branche. Ok, bon, ça se branche sur le réservoir. Et comment ça marche? Pareil, on a un 5%. Donc 2, 3, 4. Ok, il y a un pourcentage. Par contre, l'avantage, c'est que ça, ben, je vais devoir juste payer la facture d'électricité. Donc là, j'ai un courrier. Disparition de...
Mon épouse, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, mais tu as arrêté de me faire attention à moi, je ne peux plus être avec toi. Je pars, prends soin de toi. Ok, d'accord. Bon, ben, j'ai perdu la femme. Voilà, je me suis tellement occupé de la station que j'ai perdu la femme. Bon, c'est pas grave, on verra bien, peut-être on pourra le faire après par la suite. Donc ça, on est bon. Par contre, je voulais regarder au niveau des factures. J'ai pas de facture. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de facture. Alors, épicerie, gonfle. Électricité, on va mettre à 1,20 comme d'autres. Mais tout à 1,20 comme ça. Voilà, machine d'arcade, on va mettre. C'est quoi ça? L'épicerie, je vais l'augmenter un peu aussi. Elle a l'air d'être bien marché, donc voilà. Bon, j'ai tout mis à 1,20, on verra bien. Donc là. Pareil, donc ça, à mon avis, il va falloir que j'enlève le tuyau. Ok. Ah, par contre, c'est moins cher. C'est 40,50 € pour 100% de charge. Alors que sur un véhicule comme ça, on est à 76 euros. Ok, d'accord. Alors, là, on est à 100%. À 100%. 100%. J'essaie de regarder si je vois une station à zéro, mais non, j'ai l'impression qu'il bosse bien. Franchement, il bosse bien. J'avais un doute, je me suis dit, ouais, il va faire n'importe quoi, mais non, ça va déjà. C'est bien. Alors, on va aller ici. Récupérer nos petites boissons. Je sais pas si pour améliorer le toilette niveau 3, c'est ça? Ouais, c'est 1800 balles. Okay. Je sais qu'il y a maman est critiquée pour laver les mains. Hop. Hein? J'espère que j'aurai assez de place avec un frigo. J'ai acheté plein de boissons. Good morning. C'est fraîche, c'est fraîche. Ok, on a une voiture électrique encore là-bas ou c'est... Non, non, c'est elle qui a terminé. Donc là, ben, on va pouvoir mettre des stations de voitures électriques tout long. Par contre, ouais, une personne pour gérer la station. Non, il va falloir qu'on prenne plusieurs personnes. Hein. On n'aura pas le choix. Il va falloir sûrement que je refasse un plein d'essence. On va vérifier, mais avec les 850 que j'ai, mon avis, carburant, ouais, il va falloir le mettre dedans. Hein. C'est go. Je devrais faire un peu plus de bénéfices avec ça. Oui, il y a 1000 balles là. Y a 1000 euros là-dedans. Donc là, c'est pas mal. On améliore bien ça. Hop, ah, des petites bières. Ah, j'ai tout juste la place. Tout juste, tout juste. Ok, 1400 euros. La voiture électrique, elle est partie. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On va aller la brancher. Par contre, ouais, le créneau, c'est un peu chelou. Un peu chelou. Laisse tomber, je vais aller valider mon ca le camion. Pas mieux. Elle a volé quelque chose ou pas, non? Je sais pas. Elle est gentille, le policier, mais il est pas là quand il faut. Par contre, les laveurs de voiture, j'aurais dû en avoir un deuxième. Il est assez long pour laver la voiture. Mécano, ouais, ok. Pour cent. Bon. Il n'y a pas libéré de truc parce qu'il n'y est pas. Il est parti pour valider l'essence. Voilà.
Il va la débrancher là. Ouais, je pense qu'il va débrancher la voiture. Alors, est-ce qu'on peut l'améliorer? Hop. Merde, il faut que ça soit fermé. Par contre, je pense qu'on va peut-être pouvoir l'améliorer parce qu'il y aura peut-être possibilité, comme je vois qu'elle est au milieu. J'ai vu qu'il y en avait une là, je pense qu'en réalité une station pourra peut-être faire deux. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre deux voitures et puis après là-bas, deux voitures, deux voitures. Il faudra que je regarde déjà pour améliorer cela. Alors celle-là, c'est 650 pièces, je crois. Le problème, c'est qu'il faut fermer la station-service pour pouvoir les améliorer. Donc il faut que je le fasse par exemple la nuit. Où la station ne marche plus. Parce qu'ils disent que je peux le faire, mais il faut fermer pour l'amélioration. Hop. Hop, regardez. Ne peut pas être amélioré tant qu'un véhicule y est stationné. Donc ouais, ça veut dire qu'il faut que le véhicule soit plus dessus. On va regarder. Hein. Parce que là, c'est 650 et 650. Ça pourrait être intéressant. On pourrait faire beaucoup plus de voitures encore. Hop, dedans, bien sûr. On va attendre de voir. Voilà. On va regarder au niveau de la voiture électrique, c'est combien. Parce que comme ça, il n'y aura plus personne stationné dessus. Pour la voiture électrique, on est à 750 pour mettre un niveau. Ok, 750. Et ici, je vais préparer mon marteau comme ça, si elle s'en va. Voilà, on va le faire. Hop, l'amélioration. Voilà. Donc à 675, maintenant on va pouvoir avoir plus de voitures. Là, je vais attendre que lui, il est parti aussi. On va l'améliorer. Voilà, c'est bon. Là, on va pouvoir faire 8 voitures maintenant. 8 voitures en amélioration. Écho. Voilà. Tu vas là. Toi, je pense que tu vas plus aller au-dessus, non? Écho. Tu vas aller là. L'essence, ça va partir comme une flèche. Là, je pense qu'avec 8 voitures comme ça, je sais pas tout combien de temps je dois remplir, mais. Alors là, on est à 100%, on va vider. Hop. Les deux là-bas. Ça discute. Ok, il va la débrancher donc c'est le mécano, c'est quoi non? Ouais, j'avais pas vu, c'était derrière. Là. Hop, dedans. Voilà. Commande de carburant. Les prix du magasin sont élevés. Bonne place. Décoration. Moi, ouais, je vais pas baisser les prix. Hein. Pour le moment, on baissera les prix au moment venu, mais pour le moment, j'ai besoin d'argent. On va pas baisser les prix. Ça sent mauvais ici. Donc, d'accord. Je mets de la brise. Ok. C'est bon, ça sent bon? Voilà. Allez hop.
Dire par taper tout le monde. Franchement. Voilà. Et je vais avoir une très grosse consommation d'essence là. La station elle descend bien. Ok, donc lui est parti valider. Là, je peux pas commander et des gens. Donc, celle-ci est à 100%. Aussi. Il ira peut-être brancher la voiture électrique. Pas fini, hein? Ah oui. Et là, oui. Voilà. Elle est partie brancher la voiture électrique là-bas. Donc c'est bon. Donc lui il gère tout, station essence, électrique et réapprovisionnement. Alors, comme j'ai le plein d'essence et que j'ai ce je vais améliorer cette station. 2100. Voilà. Ouais, 3000 par contre. Alors, je sais pas si ça paye plus ou est-ce qu'il va plus vite, ça. Au moins, ça améliore. Par contre, il bug avec la voiture électrique ou pas? Ou est-ce que tu dois tenir le bazar? Ah, j'ai l'impression qu'il bug avec les voitures électriques, lui. Allez. Ah, regardez les. Là-bas, les rouleaux ils bougent maintenant. Ah ouais, la voiture elle passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite maintenant. Allez hop, hop. Salut. Là, t'es. Pourquoi? Oh, c'est bon. Ah, la station de lavage, elle est beaucoup plus rapide, hein, c'est stylé. Au tout début, c'était extra long, maintenant, ça va super vite. Et on gagne énormément d'argent. C'est top. Dedans, pas dedans, non. Aussi. Je pense qu'on va peut-être essayer d'améliorer ça sur la prochaine vidéo, à 1800. Le pont élévateur. Que pour l'instant, je ne vais pas améliorer ça. Ça aussi, ça pourrait être intéressant à 1500. Ça peut vraiment être intéressant à améliorer. Après, le problème, c'est que... Là-dedans. C'est bon, t'arrives à tout débrancher. Ouais, la voiture électrique, là, va les brancher. Celle-là, c'est... Il est débranché. Il est débranché. Tout est débranché. On va regarder quand ils vont récupérer le véhicule. Mais ici, maintenant qu'il y a les rouleaux qui bougent, on a la voiture qui lavait beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quand même un peu long. On va voir, elle va aller dedans, je pense. Allez, hop.
Là, la voiture elle avance beaucoup plus rapidement qu'au tout début. Donc je sais pas combien je gagne par contre. Combien de temps hein? 58 dollars. Je gagne. Bon, toi t'es arrivé ou pas? Ouais. J'ai branché la voiture. Voilà. Ok, donc là on commence à être fatigué. Donc là, on a fait toutes les améliorations qu'on pouvait dans la vidéo pour le moment, puisqu'il faut qu'on récupère de l'argent. J'en récupère à fur et à mesure. Il faudra peut-être que je rachète des boissons. Par contre, les boissons, ça part très très vite. Recommander des boissons et recommander un petit peu à manger. C'est propre la voiture. Changement de pneu. On va aller voir là-bas si je peux. Ils sont longues hein, les électriques. Alors, on pourrait peut-être. Ah, le problème c'est que la voiture elle va être là. J'aurais bien peut-être voulu l'améliorer pour voir si je peux en faire deux. Une de chaque côté. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Le problème, c'est que le temps qu'elle va payer et tout. Non, 100%, donc je l'avais. Ok. C'est devant mon. Là, est-ce que tu l'as débranché? Ouais. C'est vite fait. 100%. Là, ça se rend. Ok. Donc là, bah, ils vont aller directement. Ils vont plus aller en face. Ils vont partir. 96%. On va pouvoir. Ouais, je vais aller dormir un peu. Je commence à être fatigué. Essence bien descendue ou pas? Oh oui, très bien descendue. Haute de bien descendue. J'avais même pas vu en bas qu'il était marqué trop bas. On a le camion qui arrive. Ah, je pense qu'il va le brancher. Alors, pourtant, ça ferme pas la station. Vous voyez, il y a des moments. Ils disent qu'il y a moins de personnes dans la station essence la nuit. Mais ça la ferme pas, on va dire. On va aller voir dans la caisse. 830. Ok, donc on avait dit qu'on allait améliorer le pont élévateur, je pense. Le faire tout de suite, ça rien que lui vient. Regarde, lui il va arriver encore. Ça par contre c'est chiant. Vous voyez, là il va courir, il va arriver là-bas, il va voir si ça a été fait, il va revenir. Ça c'est un peu chiant. Ah, je vais essayer d'améliorer la station, on avait dit. Polizei. Alors, comment ça marche? Voilà. Voilà, c'est comme je vous avais dit, on a une double borne. On en a une de chaque côté. Donc on va pouvoir charger un véhicule ici et un véhicule ici. Ok, d'accord, ça c'est pas mal. Au moins. C'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Allez, on va aller dormir. De toute façon,
On a tout ce qu'il faut. Elle, tu peux la débrancher. Pour l'électrique, on n'a plus rien. On n'aura plus rien. Donc c'est bon. On va pouvoir aller dormir. Direction son dodo. La maison. Donc la boîte de nuit, concession, entrepôt. J'ai rien du tout. L'entrepôt, il y a quoi? Je vais aller voir vite fait au niveau de l'entrepôt. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas. Vite fait. Ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi ça? Je veux acheter vos produits. Ouais. Comment ça marche? Maintenant en français. C'est quoi? Enfin. Ça ah c'est pour acheter ok d'accord ah il vend des trucs ah merde ça veut dire que les ah ouais ah c'est pour la station service bon, comme je l'ai acheté on va aller voir hein. Pourquoi j'ai besoin d'une échelle pour ma station service. Je pense que je peux faire ça, hop, et l'envoyer F de l'autre côté. Voilà. Donc, apparemment, lui vend des trucs peut-être moins chers. Ça pourrait être intéressant. Il y avait quoi là? J'ai vu qu'il y avait un cadre, alors le cadre, je l'ai acheté. Ouais, bah ouais. Et là, il y avait quoi? Non. 200 balles. Ça, c'est quoi? Un banc? Ouais, bon, 200 balles pour le moment, on va attendre. Attendre, on verra demain matin. On va mettre les deux améliorations. J'ai reçu un email. On va aller dans la maison. Et on va voir dans la prochaine journée. On y a... Direction le dodo. Allez, défonce. Ah ouais, elle est partie. C'est go. Allez, on y va. Donc, direction la station. On va essayer de voir ce que j'ai acheté. Alors, je crois que le cadre, c'est peut-être pour mettre dans le magasin. Et je sais qu'il m'avait dit que j'avais un problème avec... la décoration, donc peut-être que ça pourrait jouer. Donc l'entrepôt me vend des trucs aléatoirement. Et donc là, c'est bon. Alors, je vais aller voir là-bas. Normalement, ils doivent être là-dessus. Ouais, c'est ça. On va regarder. Donc on a quoi? On a ça. On peut le mettre à l'intérieur. Regardez. Hop. Merde, pardon. Chaque fois, j'appuie sur le bouton. Voilà, comme ça, on a une petite déco. Et ici, on a une échelle qu'on va pouvoir mettre ici. Voilà. Et ça me sert à quoi? Et sur E pour utiliser. Et donc, ah ouais, je suis en train de monter. Je suis sur le toit. Ah, on est carrément sur le toit. Ok, d'accord. Quel est le but aussi, par contre? Bon, tout le monde arrive en camp. J'ai pas compris le but, par contre, de l'histoire de l'échelle. Donc, on verra. C'est peut-être un truc après, mais... Pour le moment, j'ai pas compris le but. Oh purée, elle est branchée à deux pompes. Allez, voiture électrique. C'est même mieux parce qu'on peut le prendre sur le côté alors que tout à l'heure, c'était à l'intérieur. Et, ah ouais, c'est noté ici maintenant. On va se dépêcher de tout brancher. C'est certain que les ouvriers vont pouvoir commencer à travailler un peu.
surveille. Ah, il y a quand même un câble qui est resté branché dessus. On n'est pas à 100%. Là, on est à 100%. On va aller voir les stations électriques, je vais en profiter, moi. Donc là, t'as à combien pour ça? Aussi. 41. Ouais, c'est quand même moins intéressant de vendre de l'électrique que du diesel, on va dire. Enfin, de diesel ou de l'essence. Alors, j'avais dit que je devais commander des boissons. Le frigo commence à se vider. Et de la nourriture. Ouah, je dois tout commander de toute façon. Allez, on va faire une grosse commande de tout. Donc, je sais pas si vraiment je prends tout ça, 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 ça. Good morning. Good morning. Y a que l'huile que je prends pas, elle est chère. Okay. Good morning. 600 balles. Si je prends tout, j'en ai pour 600 balles. Avec 10% de réduction. Hein. Là, tout est 130%. Ah, lui, il vient de la brancher, ok. Normalement, j'ai le plein. Je vais vérifier quand même pour, par rapport. Ok, j'ai 1000 balles. Okay. La station, elle est pleine. Qu'est-ce que j'ai reçu comme email? Santé de ta mère. Mon fils, ma santé se détériore. Peux-tu me donner des médicaments? S'ils sont vendus pendant la journée à la pharmacie du bazar. Ah, c'est la journée. Ah, c'est peut-être pour ça alors que je trouvais pas les fleurs. Parce que je vais le soir. Je vais aller chercher des médicaments. J'ai déjà perdu la femme, si je perds la mère. Je vais chercher les médicaments. C'est reparti. Voilà, pour l'instant, ça bosse. Voilà. Ouais. Ah, c'était ça les fleurs, non? Oh ouais, purée. Toi, tu vends quoi, toi? Barba papa. Médicaments, vas-y. Pilule. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est ce qu'il vendait d'habitude. Et lui, par contre, ouais, il est pas là. Ok, d'accord. Direction la maison. Bon, maintenant, la femme, je crois pas que je pourrais la récupérer, vraiment. Edouard. Là, on va lui donner les médicaments tout de suite. Ok. Ça me l'a remis niveau 40. Ça m'avait pas remis. Donc, je vais regarder ce qu'on n'a pas été visité. Donc là, on a quoi? La boîte de nuit. Le bazar. Bah, la boîte de nuit, à mon avis, c'est de la nuit. Le concert, on a été. Le bazar. Ok, bon, on va retourner à la station. La boîte de nuit, je pense qu'à mon avis, il faut aller le soir. La journée, il n'y aura rien. Ah, j'aurais dû aller chercher les fleurs, mais je savais pas que si c'était le jour ou la nuit. Ouais. Allez. Ah. Branché là. Ok, d'accord. Entendu que tu fumais. Ok. Alors, les voitures électriques, c'est bon. Après, je pense qu'il va falloir la brancher. Hein. Ouais, tu vois. C'est bon, allez. On a les autres affaires. Et 100% 0. Moi, je regarde comme ça. Hein. Je vais la débrancher. Hop.
Zéro. Voilà. Niveau du carburant, on va en racheter. C'est à l'intérieur. Comme c'est qu'elle fait les deux en réalité, donc c'est un peu chiant. Ça, c'est à l'intérieur aussi. Et ça, poisson, donc ça c'est dans le frigo. Ça, à l'intérieur. Voilà. Donc on est à peu près bon. Coincé. Après, je pense qu'il va attendre que celle-là l'avance. Elle a acheté sa cigarette, ça m'a pas donné de compte. Faut que je le fasse avant qu'elle arrête de fumer. Voilà, lui fait marche avant. Quand il s'est barré, donc c'est bon. En temps en temps, il bug, mais après, il faut attendre, après son. Si c'est 100%, 100%. Et aller récupérer l'argent. 1 400 balles. Hop. Et je crois que j'ai une personne qui peut faire que ça, faire une gestion de stock. Mais problème, c'est que si je prends trop, j'ai peur de trop payer de personnel. Au niveau de la station, on pourrait en prendre un deuxième, hein. Ça irait beaucoup plus vite. Embaucher un gars. Hein. Je vais regarder si je peux en embaucher un autre. Travailleur. Pompiste. Ok. C'est bon, j'en ai pris un autre. Ça ira bien. À deux, ça devrait y aller. Alors, réparateur, ça va, il n'y a pas besoin de trop le faire. Alors, c'était combien pour faire ça? 1800? Allez. Ok, donc c'est quoi là? Ah, on a juste rajouté un cric? J'espère que tu vas travailler plus vite. Ah, ça se peut que en vérité, ça va jouer beaucoup aussi sur la rapidité. Alors, voilà, regarde, j'ai mis niveau 2, c'est plus vite, donc peut-être qu'il va pouvoir le faire plus vite. Non, pas d'augmentation de salaire. Et celui-là, c'était combien? 2250. Ben celle-là, j'avais déjà amélioré. Ça, je viens de l'améliorer. Et ça, je l'ai amélioré. Celle-là, je l'ai amélioré. Toutes les pompes, je les ai améliorées. Donc, j'ai quasi tout mis au niveau 2, on va dire. Pas ça, quoi. Alors, pompiste devrait en avoir 2. Ça va aller à l'intérieur. Comme je vends beaucoup, ben j'ai l'impression que le monde il part plus vite que je le mets. Voilà. Ben, j'ai un nouveau qui arrive. Normalement, ils vont être 2. Ben, allez voir vite fait pour les voitures électriques. Ouais, ils vont pas y aller. D'à côté. C'est bon. Voilà. Moins comme ça, ils sont. Ah, c'est bon, je l'ai fait. Commence à avoir pas mal de bugs par rapport aux véhicules qui. Alors, il y a beaucoup de véhicules qui sortent, donc on a des bugs. Est-ce que je peux acheter de l'essence?
Achète toujours l'essence au cas où. Ensemble. Ami. Ah, et là, 100%. Et là-bas, normalement, s'ils sont encore là, c'est que c'est encore en train de charger. À 74% de charge et 74%. Alors, je sais pas si ça, c'est plus intéressant que l'essence. Après, l'avantage, c'est qu'on n'a rien à acheter. C'est vraiment directement les factures d'électricité. Alors, pour l'instant, j'ai pas de facture, mais je pense que quand elle va arriver, elle va piquer. On a des petites améliorations aussi, comme ça. Bonne place. Ouais. Cinq étoiles, il y a beaucoup de personnes qui montent 5 étoiles, hein. 5 et 4 étoiles. Est-ce que on va y aller ou pas? Ça y va. Ça sert à rien que je cours si je vais. Ça... On va récupérer le manger et tout. Voilà. Pas plus simple. Et au moins, Hello. c'est utile là-dessus. Okay. Je crois que c'est un gars de stock, je pense que c'est ça là. Un gars qui va gérer que les stocks. Donc à chaque fois que j'achète, lui il va gérer que le stock. Il faudrait que j'essaie d'en acheter, enfin d'en prendre un. Parce que le problème c'est quoi? Au moins lui, j'aurais juste à acheter, ça va arriver et lui range. Ça pourrait être intéressant. Okay. Voilà. Donc là c'est bon. Caissière on l'a, lui on est là-bas, lui on est bon. Richard. Je vais faire un autre truc. Hop. Hello. J'ai pris un laveur de. Ah, nombre de maximum au 4. Donc là j'ai le maximum d'ouvriers. Comment? Et où c'est là? Ouais, c'est là. Hop. Allez. Alors, moi, je dois faire ça. Ça dure un moment. Lui, ça dure 10 secondes. Mais bon, il est en train de faire un pneu en même temps. Donc. Regarde chelou.270 pour les pneus, là. Voilà, accident. Hop, c'est 18 euros le gonflage le prix. Voilà, là ils sont en train de faire quoi? Ah, il a débranché le. Galère à passer. Hein. C'est bon, il travaille bien, on va dire. Tout est bien rempli. Moi, c'est vite, je suis quasi tout à 100%. Alors, je sais pas si je vais avoir une amélioration pour encore avoir de la station plus grande. Si, mais c'est 4050. 4050, ça va peut-être me rajouter encore les stations. C'est pas mal. Par contre, au niveau des employés, il me dit que je suis au maximum. Nombre d'employés, nombre d'employés. Ok, d'accord. Je paye 506 de salaire. Et je pense qu'il y a peut-être une compétence pour avoir plus d'employés. Qualité de la caméra. Augmente la qualité de l'image de la caméra de 15%. Capacité de négociation. Montant que vous convaincre, négociation de 5%. Ok.
Alors, je mise en maximale, vous pouvez augmenter de 100% le niveau limite, ok, d'accord. Ok, d'accord, ça c'est pour tout ce qui est drogue et tout. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des autres améliorations. Là, voilà. Là, il y en a encore, c'est vitesse de travail, plus de clients à pied. Et plus de véhicules. Ouais, les employés. On leur travaille 20% plus rapidement. Oh, ça, c'est intéressant. Dans les prix niveau 1, capacité du réservoir de carburant. Augmente de 20% par niveau basé au carburant. Okay. Vendre plus de produits. Hop là. Alors, on va vérifier. Hop. 2000. Ok. Mais ouais, j'ai rien d'illégal. Normalement, lui, il devrait réparer plus vite. Pareil, ils ont 20% plus vite. Ils travaillent plus rapidement. 20%. Ok. Voilà, ah, c'est bon, il avait débranché. Bête. Donc après, ouais, il va falloir qu'on investisse aussi des caméras, des trucs comme ça. On va regarder sur le truc. Alors j'ai pris un gestionnaire, je sais pas. Notification, c'est bon. Il faut des caméras. Dans la station service, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Étagère, bien sûr. Boîte. Panneau solaire, par contre. Ce serait pas mal. Ça, c'est bon. Ouais. Lumière, lampe, on a une télévision, caméra de sécurité, ok, d'accord, genre. Un modèle, une borne d'arcade à 850, ah, peut-être, allez hop, on va tenter la borne d'arcade, non, oh non, on retire, ça pourrait faire un, non. On va laisser comme ça pour moi, on va laisser comme ça. Juste continuer à améliorer. Hop. Voilà. Alors, je sais pas où il est le gars gestionnaire de stock, je sais pas trop quoi. À moins que c'est ça. Parce que je sais qu'ici, il y avait un truc à construire. Ça coûtait combien? 100 balles. On va le faire. Ouais. Oh, j'ai un bâtiment. Ok, j'ai fait un truc là. Et là-bas, j'en avais un autre. Parce que comme ça, on aura construit. Si c'est pas trop cher, on aura construit tous les bâtiments. Alors, je pense que là, c'était un bureau ici. Combien? Du marteau, 600. Bon, bah, vas-y, on prend le premier. Ok, go. On va juste voir. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est un bureau ça? Ah, c'est là qu'on doit mettre l'ordinateur et tout. Ok, d'accord. Ce que je peux acheter ici sur Amazon, je peux acheter par exemple un. C'était là, je crois. Ici, je peux acheter une table, un boîtier d'ordinateur. On peut se monter un petit PC. Et je pense que c'est ça. Par contre, je crois que j'ai fait une radia dans les poubelles parce que j'ai marre de ramasser à terre. Hein. Oh, ça va mettre des coups de batte de baseball un peu partout. Hein. Voilà. Ça fume. Là-bas. J'ai vu. Ouais, toi, ouais. Pas semblant. Ok. Et j'avais pris un gars pour du stock, je sais pas trop quoi, mais... Okay. Oh bah là là, ça sent les factures. Waouh, facture. Donc quoi? Facture. Pardon, je me suis trompé, c'est pas là. Je mets les éléments. On va revenir en arrière. On va aller ici. Facture. Ah ouais, facture d'électricité, on est à 638 et 133 d'eau.
Alors les 638, c'est normal, c'est les voitures que je recharge, hein, bien sûr. Alors j'ai sûrement dû gagner plus d'argent, mais... Par contre, ça fait miskine le petit bureau, là. J'ai une grande dalle et j'ai... Ça, c'est le bureau de patron. Amélioration combien? À 3000 balles, quand même. 3000 euros pour améliorer ça. Pense que dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire... Alors, c'était combien l'amélioration de l'autre toilette? C'est 1800 euros. Ah, parce que là, c'est amélioré tout. J'essaie toujours de mettre un peu du niveau 2. Il y a combien de stations? Je sais pas, on pourrait repasser sur des stations de recharge. Stations électriques. Essayer de regarder pour en mettre encore une ou deux, peut-être. Ouais, peut-être être intéressant. Ah, maintenant ils prennent trois produits. Okay. Donc ça c'est bien l'amélioration qui est tout en bas. Alors ils achètent beaucoup plus avec celle-là. La station est là tout en bas. Vous voyez? Vente de produits, c'est un article supplémentaire. Je suis à 1 sur 6. Capacité du réservoir. 20% par niveau, basé du niveau de carburant de base. Okay. Les ouvriers font leur travail plus rapidement. Ça par contre, je tiens un peu là-dedans. Bien envie de... Voilà, j'ai mis mon argent dedans. Mais faut que les ouvriers travaillent. Très bien. Donc, ah, j'ai plus d'essence. C'est une blague. Ah oui. Ouais. Cool, mais bon. Ah, j'ai de l'argent, donc ça va. J'ai plus d'essence, donc ils peuvent plus faire leur plein. Là-bas, les voitures électriques, c'est fini. Ok. Donc ça, ouais, la station, on va essayer d'en acheter une autre. Et par contre, il faut que j'arrive à l'améliorer quasi tout de suite pour avoir deux véhicules supplémentaires. Je vais aller là-bas pour pas qu'ils viennent. Sinon, ils vont venir en courant, on pourra pas terminer. On va attendre. Ça aussi, c'était quoi? Combien ça? Et 1500, ouais, je pense que je vais peut-être améliorer. Ouais, je pense que je vais améliorer ça à 1500. Comme on aura besoin de plus de carburant, donc il faut que le camion il ramène plus de quantité. Voilà. Station service rempli. Ah. Vite que toi, chef. Ouais, donc ouais, je pense qu'on va attendre qu'on a 1500 et essayer d'améliorer ça. Et en même temps, on va essayer de faire les stations-service électriques. Peut-être que ça serait un bon investissement. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait un véhicule qui s'est mis là alors que, non, à mon avis, il est encore buggé. Il y a un véhicule qu'il faut nettoyer, mais il l'a pas fait. De laver comme ça, allez. Ça marche pas. De temps en temps, ça arrive que les voitures elles buguent un peu. Hein. Chercheur, si. Ah ben non, là la voiture elle a bugué. Bon, bah, c'est pas grave. Elle restera là, c'est tout. Bon, là les véhicules vont partir de toute façon dans tous les cas. Alors, j'aimerais bien, par contre, voir si paye tous, parce que j'ai peur que si je me barre, hein. Là, elle est débranchée. Toi, c'est gentil. Voilà, lui, il s'en va. Poisson part assez vite encore. Poisson et des bretons. Voilà, je pense que les commandes doivent être pour les boissons et tout. Il faudra que je regarde si j'ai assez d'espace.
pense. Non, il va falloir que je choisisse plus d'essence. Ah oui. Je vais le manger. Vas-y. Branché. Hein. 5%. Comment ça a vraiment les yeux qui fatiguent. Oh, c'est bon, je l'ai fait. Alors, sais pas trop comment ça se passe quand je vais dormir. Allez, on va collecter, on va aller dormir, on fera sur la prochaine vidéo. Donc sur la prochaine vidéo, on avait dit qu'on allait améliorer soit l'essence, soit les toilettes. Il faut vraiment qu'on améliore un des deux. Tout le reste, ça tombe bien, et acheter des bornes de recharge électrique. Allez, c'est parti. Voilà, au dodo. Voilà, c'est bon. Donc là, on a terminé la vidéo. Cet épisode-là est terminé. Donc voilà, là pour le moment, on va plus placer d'objets, on va vraiment améliorer. Donc j'essaierai vraiment de faire la vidéo au maximum, essayer d'améliorer tout au maximum. Et voir après s'il y a une suite, s'il n'y a pas de suite, bon, bah on passera sur un autre jeu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le jeu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.